Bonjour, je suis Emmanuel Croix et je suis sophrologue, hypnopraticien à Bougné-lès-Coué, à quelques minutes de Nantes. Cet exercice s'appelle la respiration du dos. C'est à la fois un exercice de méditation et à la fois un exercice qu'on pourrait appeler de kiné. Je vous le propose ici vraiment dans son plus simple jus, un jus dans la nature. Comme vous le savez, sophrologie, nature sont souvent associés à juste titre. Pour cela, donc, je vous propose une chaise, vous voyez, toute simple. Vous vous installez dessus, vous prenez quelques instants pour vraiment être en contact avec votre environnement, quel qu'il soit. Vous pouvez prendre le temps d'écouter les sons, de ressentir la différence de température qu'il peut y avoir entre les parties habillées de votre corps et les parties dénudées. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, reprendre contact avec vraiment l'ensemble de votre corps dans sa position. L'important, c'est vraiment de sentir, de ressentir, d'être là, présent à vous-même. Et puis, je vous invite vraiment à vous avancer sur le bord de la chaise et de vous mettre dans une position avec ses mains comme ça. Une position qu'on pourrait dire de zen. Comme vous le savez, sophrologie et zen font bon ménage. La sophrologie est née du zen et le zen existe depuis plus de 2500 ans. Autant dire que cela a fait ses preuves. Donc simplement, cet exercice est vraiment un exercice des plus basiques, des plus simples, que n'importe qui est en capacité de faire. Il s'agit juste de vous grandir comme si vous aviez quelque chose au-dessus de votre tête. Et ensuite, de vous relâcher. Je me grandis comme s'il y avait un fil qui poussait au-dessus de ma tête et qui va vraiment jusqu'aux astres. Et je reviens à moi. L'objectif est vraiment de garder cette position. Et si vous percevez que quelques pensées viennent, vous les observez. Vous ne les retenez pas, puis vous revenez. En faisant cet exercice, réellement, vous faites travailler aussi tous les petits muscles qui sont derrière votre dos. Voilà, et puis vous relâchez. Vous remontez. Et puis vous relâchez. Vous remontez à nouveau. Et vous relâchez. Inspiration. Vous montez. Comme si vous vouliez grandir. Vous prenez peut-être même d'une certaine façon de la hauteur, puis vous relâchez. Vous pouvez évidemment vous aider aussi de votre ventre. À l'inspiration, à la fois vous montez, 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 et vous remplissez votre ventre. Et à l'expiration, vous pouvez même pousser sur la ceinture abdominale. Cet exercice est vraiment aussi utile, vous allez vous en rendre compte, pour vraiment aider votre digestion si vous en avez besoin. Et vous relâchez. Vous pouvez le faire effectivement en position lotus, mais il n'est pas nécessaire de se mettre en position lotus sur un coussin, un zafou, pour vraiment être zen. Inspiration, vous montez. Expiration, vous relâchez.
Et petit à petit, vous allez peut-être même percevoir le moment de bascule entre l'inspiration et l'expiration. On inspire, là on voit peut-être ce petit moment de bascule, et après vous expirez. Vous remontez tranquillement l'ensemble de votre torse et de votre corps vers le ciel. Et puis vous relâchez. Voilà, très bien. Et là, lorsque vous percevez cette différence, ce petit moment de bascule entre l'inspiration et l'expiration, vous pouvez tout naturellement souhaiter agrandir ce moment, entrer en une forme d'apnée, puis après revenir en poussant sur votre ventre. En fait, la grande force du zen est celle-ci, de vraiment s'attarder juste sur notre respiration. Rien de plus, rien de moins. Et on expire. Vous retenez votre oxygène et puis vous expirez en soufflant, en poussant sur votre ventre. Et vous pouvez le constater, cet exercice, vous pouvez le faire n'importe où, chez vous, dans un lieu clos, silencieux, ou à l'extérieur. Par exemple, ici, dans votre jardin. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Et peut-être au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que les pensées sont moins présentes. Et vous êtes juste dans cet exercice, avec ce mouvement. Inspiration, expiration. Semblable à la marée qui va et qui vient. Et qui, à chaque fois qu'elle s'éloigne, vous emmène un peu plus loin dans les profondeurs de votre être, dans votre cœur profond, dans votre intimité. Voilà. Comme dit François Roustan, le plus important, c'est de ressentir, d'être là. C'est pourquoi il est vraiment essentiel de ressentir sa respiration, par où elle passe, par où elle vient, et d'être juste à l'intérieur de cette respiration. C'est le principe du zen, c'est aussi le principe de la sophrologie, être à ce que l'on fait, avec toute notre intention, et ne faire que cela, ou voire même encore un peu plus loin, au bout d'un moment, si vous le souhaitez, si vous sentez que ça y est, votre dos est en meilleure position, il va garder naturellement cet exercice, vous n'aurez pas forcément besoin de le répéter régulièrement. Juste lorsque tout d'un coup, peut-être vous avez des petites lombalgies qui apparaissent, légères.
simplement vraiment être là et ne rien faire. Voilà. There is no long count.